Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour un petit combat de Coliseum. J'ai repris des persos que j'avais pas joué depuis un petit moment, c'est-à-dire le Panda et l'Ouginac. Ces derniers temps, je vous ai fait beaucoup de déca flip hein, parce que ça m'éclate de taper comme un bourrin, mais forcément, il faut varier un petit peu de temps en temps. Et là, j'ai réfléchi à changer 2-3 trucs sur les modes. Enfin bref, il y aura peut-être des changements qui vont arriver. Je me suis dit, allez, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un colis, là, on va faire un truc tranquille. On a en face Eka et Nifeka. Donc Nifeka qui est très solide. J'ai mis les esquives PA en conséquence, hein. Je suis à 110, 90 et 68. Bon, c'est un peu limite sur les nids, mais ça devrait me permettre de taper un peu, en tout cas mes persos qui tapent le plus. Bon, c'est surtout Lugie, hein. Lugie pourrait à peu près encaisser du retrait. Sachant que je suis même pas sûr qu'il soit retrait, hein. Mais bon, 106 de tacle en général, c'est mauvais signe un petit peu. Je vais y aller avec le panda. On va y en, tout simplement, je pense, surbooster le Lugie. Pas mettre de Wasta, ou alors j'en mets un, mais je le mets genre un petit peu en retrait comme ça, ce sera pas mal. Hop! Faire peut-être une fermentation. Ouais, bon, c'est pas fou, hein. Là, je suis un petit peu embêté par la distance. Bon, j'ai essayé de m'avancer un peu avec mes persos. J'aurais pu me placer plus en avant encore, je sais pas pourquoi je me suis mis en retrait. Ça va être un peu long de casser la distance, et puis là y a pas vraiment d'intérêt, hein. Y a pas une team qui a particulièrement un jeu à poser qui est long, ou des gros dégâts à distance, hein, c'est... Donc je suis un peu surpris qu'il se soit mis autant en retrait. Bon bah voilà, il va falloir avancer tranquillement, il va peut-être y aller sur mon Asta. Ah, j'aurais dû le mettre encore plus en arrière. Alors par contre, s'il est terre, c'était pas forcément, j'allais dire, pas forcément malin de lâcher la tromperie de terre, mais il a plutôt l'air d'être multi. Alors je suis un peu déçu d'avoir perdu bêtement mon Asta comme ça. Ça pour le coup c'était pas très très malin. Ce que je vais faire c'est que je vais directement aller lui mettre l'état proie en fait. Hop. Et je vais repartir en arrière tout simplement. Hop. En me mettant en état de rage. Comme ça au prochain tour je pourrai aller le chercher. Et je vais me mettre tout simplement en retrait avec Lugie comme ça. Hop. Bon là ça va clairement jouer à l'érosion le combat. Je suis déçu de pas avoir de retrait PA quand je vois les 47 d'esquive de son Eka et les 35 de son Feka. Mais là, avec Eni Feka, il faut vraiment tout jouer à l'érosion, sinon on ne s'en sort pas du tout. Moi, c'est le point d'arrêt que je vais compter un petit peu pour temporiser l'héros qu'il pourrait me mettre. Alors effectivement, il a l'air d'être très, hein, il y va à l'aveuglement tout de suite. Triste d'armes, bon, jusque-là, le jeu est un peu timide, il a du mal à se mettre en place, on va dire. Mes comptes sont à l'envers, ok, hop. Bon, moi, je vais y aller vraiment au début de combat, sans prétention. Ce serait même bien éventuellement que je puisse... Là, il manque un tout petit peu de PO. Bon, j'allais dire... on va même y aller comme ça. Hein. Hop. On va essayer de rush un petit peu, mais sans non plus trop exploser un perso. L'ennemi qui joue... Ouais, c'est le cas qui joue juste derrière Lugie. Alors ça m'arrange pas forcément beaucoup. Et je vais essayer de voir avec la distance pour que le... Ah bah s'il pète la cabotte ça me libère le passage, merci. Nickel. Je vais peut-être voir pour péter son lapin, ça peut être une manière intelligente d'utiliser mes PA en attendant que je casse la distance, ça lui fera moins de PA par la suite. On va s'il reste dans la ligne bien sûr, auquel cas je pourrais y aller au vague à l'âme. Ah ouais bon il se décale un poil. Bon bah je vais plutôt y aller sur les cas du coup. Hop. Il va chercher la petite zone de la flasque ici. Ah, je tape que dalle. Hein. Les petites vagues à l'âme par là. Bon, ce qui m'embête, c'est que je lui booste un petit peu son... Il a quoi comme portée, les cas. Je vais venir ici avec mon panda. Peut-être même une case en arrière, ouais. Hop. Histoire de que s'il veut m'éroder, il faut vraiment qu'il s'approche. Bon, je l'ai tapé un poil, mais bon, sans érosion, c'est pas forcément dingue. Hein. Bon alors là la bonne nouvelle c'est que du coup avec mon Ika Flip, avec mon Ouginac, du coup il y a de l'Eka, il y a de l'Ouji dans le combat, je suis perdu. Alors est-ce qu'il érode? Il érode. Il y va au réflexe, donc il a l'air d'être multi comme Eka, c'est assez surprenant. Le glyphe rouge là il fait de la portée je crois, hein, donc ça change pas grand chose pour moi. Je vais pouvoir rush dans le tas là, du coup l'érodeur a joué. Le panda il est en retrait, donc l'Ouji peut rentrer dans le tas sans aucune difficulté. Je pense même que je vais lui faire assez mal. Il fait une roulette. Alors la roulette retrait PA, d'accord. Un petit peu surprenant également. Je pourrais y aller de ce côté-ci. Mais je vais plutôt y aller comme ça. Hein. Hop. J'ai bien envie d'y aller en dégâts directs à fond.
je vais faire ça. Double héros. Ça, c'est la base, bien sûr. Et un petit malus de soin au dépeçage. Pourra être apprécié. Avec Luigi, avec Luigi, avec Luigi, je vais revenir. Je vais revenir ici. Alors, chose que j'ai pas dite aussi sur le panda, j'ai repris Bombance. J'hésitais. C'est un peu quelque chose qui me frustre à chaque fois, choisir entre Bombance et Piccolo. Mais comme j'ai un mode relativement solide, enfin relativement solide, pas tant que ça, mais j'ai pas beaucoup de dégâts, donc jouer la Piccolo, je trouve que ça faisait un peu un perso qui servait pas à grand chose. À la Bombance, je suis plus libre d'utiliser ma souillure, les vulnés, le placement, sans avoir à jongler à chaque fois entre les sorts et à me debuff le boost PA de Veneripsa. Donc je me suis dit comme ça, ce serait une bonne idée. J'ai les glyphes ici. Ok. Bon, la roulette m'embête un petit peu dans la mesure où ça m'empêche d'aller taper les cas. Bon, c'est pas dramatique. Je vais y aller ici sur le panda que je vais déjà debuff en héros parce que du coup comme je joue pas à la Piccolo, j'ai pas un debuff érosion qui est automatique. Bon, j'ai pas des choses incroyables à faire, hein. Je vais juste taper les cas comme c'est lui qui est érodé, de toute façon il y a vraiment rien d'autre à faire ici. On va y aller là-dessus. Et je pense que je vais me faire un mot de ralliement sur. Ah, il manque un poil de portée. Allez, on va mettre une flamme sur la roulette, hein, taper le FK ne sert à rien concrètement, sans érosion sur autant de résistance. C'est pas très utile. Bon, la bonne nouvelle c'est que là mon Nuji il est transformé encore, donc il pourra fuir sans problème. Là il me tape, il me met du retrait, bon le retrait m'empêchera de trop mettre de dégâts sous l'érosion, mais comme je suis pas érodé, les dégâts ne m'inquiètent pas trop. Je vais vraiment tout mettre sur les cas. Hein. Je vais essayer de temporiser l'érosion et de tout mettre sur les cas, ça me paraît être la meilleure des solutions. Alors moi je peux aller chercher les petits dégâts sur les cas flip. Ouais, je vais faire ça. Hop, là j'ai pas spécialement besoin de me préoccuper de mon Nuji, enfin j'espère, hein, il a peut-être beaucoup de rocks, mais ça m'a l'air d'être gérable. Je vais plutôt aller chercher ici la double vague à lame. Hop, ça c'est nickel. Venir avec mon panda par ici, voilà, je rentre volontairement dans le glyph avec 0 PA, ce qui fait que je prends aucun de retrait pour les tours suivants. Bon, les Caplip il est en retour d'Odora ici, il va pouvoir cogner un petit peu, mais il est embêté aussi lui-même par le glyph, hein, donc à la limite ça devrait aller. Bon, réflexe, ok, j'ai Imerod, là je vais quand même prendre un peu de dégâts, mais je vais fuir tout de suite avec mon Nuji. Alors, compris. Ah ouais, il fait quand même bien mal, il a l'air d'être... Alors peut-être il est multi, ou alors il est juste terre-air, hein, je l'ai pas vu taper autre chose que ça. Qui serait assez original comme mode sur un Caplip, hein, mais c'est toujours agréable de voir des choses qui sortent un peu de la méta. Mais non, ça a l'air d'être vraiment un mode multi, hein. Je vois aussi des gros dégâts qui sortent au top cage. Alors moi ce que je vais faire, ça va être tout simplement... j'allais dire un roquet, mais... Ouais, comme il est taclé, ça va l'embêter à fond aussi. Je pense qu'il a pas des tonnes de fuite. Je vais simplement mettre un petit coup d'érosion sur le FK. Et là, en sortant du glyph, normalement je récupère des PA peut-être un petit peu. Ouais, bah rien de bien fou. Hein. On va faire un petit molosse sur Lenny. Si j'ai le temps. Hop. Voilà, comme j'ai quand même pris beaucoup de dégâts pour être sûr que je me retrouve pas à me prendre un kill, hein, le molosse qui me fait des petites résistances sur le tour en cours. Hein. Et là, le FK, du coup, il se retrouve embêté par le roquet. Bon, je pense qu'il a quand même des dégâts terre sympathiques à voir ce qu'il met au glyph d'aveuglement, donc il devrait pouvoir le terminer. Mais s'il reste taclé tout seul dans son glyph Gravita, c'est un petit peu drôle, c'est un petit peu l'arroseur arrosé, on va dire. Bon, les Caplip a déjà pris pas mal d'héros. Moi, j'ai pris des gros dégâts sur Luigi, mais l'érosion est à peu près gérable, là, je vais pouvoir y mettre du soin. On a une lavache, un mode en lavage sur le FK, ce qui est assez original. Il va chercher à me tacler. Non, retrait PA sur le panda, mais pour le reste ça va à peu près. Bon alors je vais y aller en soin sur Luigi. Peut-être stimuler mon lapin. Ouais, je vais faire ça, on va stimuler le lapin, ça pourra servir pour la suite. On va mettre un mot de solidarité ici, hein, ce qui lance un énorme soin quand tout le monde est stimulé comme ça. Et puis peut-être un peu de dégâts sur le FK quand même. Hein. On va faire comme ça. Et comme ça. Et je vais venir ici, là du coup encore une fois je rush dedans, je m'en fous, Lenny est pas érodé, je le laisse volontairement en première ligne. Pour laisser mes persos un peu plus fragiles et qui ont déjà pris un peu plus de focus en retrait et décourager l'adversaire de excellent ce sort, lequel. Le glyph là, oui c'est énorme.
Pas beaucoup joué pourtant. Hein. Il est tellement, tellement puissant sur le soin, je pense qu'il parle du glyphe. Hein. Enfin, du mot marquant, hein, le mot marquant qui est ce sort génial de l'ennemi. Alors, il est allé, il a fait où le debuff? Il a debuff l'éca, hein, d'accord, il a debuff l'érosion. En revanche, bah, le féca est toujours un petit peu isolé. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me casser la tête. Alors, j'ai pas été très malin avec... J'ai pas été très malin avec le placement sur mon ennemi. Je vais mettre le féca en arrière ici. Ah, la première fois qu'il la voit, c'est très surprenant, hein. Pourtant, c'est quelque chose d'excellent. Je vais y aller sur... Allez, soudure. Je pars du principe que l'ennemi, il va faire sa vie, il va s'en sortir sans trop de soucis. Et moi, je vais y aller sur le féca. Hein. Hop, on a mis une petite vulnée. Bon, je vais venir tacler un petit peu. Bon, les caflis peuvent venir me chercher. Il est plus érodé. Mais s'il fait ça, il s'expose pour mon ogi. Et s'il reste trop de son côté, avec mon ogi, je repars sur le féca. On va voir comment on arrive à disperser le focus un petit peu. Est-ce qu'il va forcer l'érosion sur le Jinak, hein, ce qui serait la meilleure chose à faire pour lui, clairement. 11 PA, ouais, je pense qu'il va faire ça. Il va me remettre double réflexe. Bref, double réflexe, et il aura 4 PA pour me faire peut-être autre chose. Un odorat, ce qui est surprenant. Odorat et double réflexe. D'accord, donc ça lui aura fait... Ah, il a pas eu le temps de terminer, je pense. Je suis désolé pour lui. vous savez que ça m'arrive aussi assez souvent. Ça, c'est triste. La carcasse, elle est à 9 à 11. La charogne, ouais, bon, c'est plus rentable que je mette. La carcasse pour casser l'ivoire et la charogne pour taper et éroder. Je vais venir ici pour embêter l'ennemi. Hop, bon, il pourra venir chercher quand même. S'il a un abyssal, je crois que c'est le cas, il pourra venir chercher le soin. Mais non, c'est autour du féca après. Ouais, bon, ça n'enlève rien pour l'ennemi. L'ennemi, est-ce qu'on peut voir s'il a un abyssal? Ouais, il a un abyssal. Bon, donc a priori, il pourra aller chercher. Sans trop de soucis. Le féca qui part toujours en retrait, bon, ça m'affole pas des masses. Invulnérable en mêlée, les cas flip alors ok, ça tombe bien, les nids à distance, le panda aussi, et avec Luigi j'aurais juste à y être attentif. Le panda là il prend des dégâts mais il est toujours pas... Enfin il est plus sous zéro hein, donc là ça va. Luigi, il a pris que 15% mais je vais pas négliger, je vais quand même debuff à fond. Hop. On remet le stimu. Alors je suis un poil embêté avec le panda. Il est quand même un petit peu amoché. Ce que je vais faire, ça va être un coup de corrompu ici, qui met des gros dégâts. Je vais venir bloquer la ligne de vue de l'ennemi, même avec un PM, il pourra pas la choper. Et mettre un mot de solidarité sur le panda. Et là, pour un PA, 914 de soins, ce sort qui va être up en plus à la prochaine mise à jour sur les ennemis. Les ennemis feu vont devenir monstrueux, hein. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont mis autant de nouveaux bonus dessus, mais ça va devenir incroyable. Bon, avec le féca, c'était clairement débile de lâcher le Wasta au début, c'est juste parce que je voulais utiliser mes PA alors que j'avais pas la portée de faire grand chose, et c'est souvent le genre de conneries qu'on fait. Ça aurait été génial pour embêter le féca hein, dans son glyphe gravito là, un Wasta dans un gravito, ça détruit des vies, ça, hein, je vous cacherai pas que c'est très énervant. Il y va au mot éclatant sur les K-flips, ça m'embête, hein, j'aurais aimé lui mettre un dépeçage aussi, ce qui lui aurait pas mal embêté. Bon, c'est pas non plus ingérable. Avec le panda, je pense que je vais essayer d'isoler le féca au max. Là, ça me fait pas mal. Hop, pour pas qu'il aille trop protéger son pote. Et moi, je vais taper, hein, tout simplement. On a vu qu'il n'y avait pas trop de difficultés pour l'instant sur mes persos. Bon, j'ai pris des dégâts. Là, il y a un ressort de Dora qui sort. Ah ouais, 16 PA quand même. C'est compliqué pour moi. Je vais me faire un peu éclater Luigi, je pense. Luigi qui, du coup, n'est plus érodé, hein, comme j'ai des buffs l'héros. Et lui, il faut que je sois attentif au fait qu'il est invulnérable en mêlée. Coup de la fortune. Chance des K-flip, d'accord. Il lâche la chance, ce qui veut dire qu'au tour prochain, il aura plus la vulnérabilité en mêlée. Et, ah, il tape sacrément fort quand même. Hein. Mais au tour prochain, il sera en retour de chance. Il aurait peut-être mieux fait de garder la chance pour le tour d'après, c'est discutable, hein, c'est pas sûr. Bon, alors moi, avec mon Enouji, je vais y aller sur... du boost à fond. Donc on va y aller là-dessus. Hop, un boost en puissance. Volontairement, hein, je casse l'ivoire avec pour prendre le boost puissance pour la suite. Remettre un coup d'héros. Et la double carcasse qui tape et qui se booste aussi pour la suite. Je vais venir ici prendre l'émeraude. Bon, je suis quand même bien amoché avec mon Ujinak, il faut que je fasse attention. Avec l'ennemi, est-ce que je débuffe ou pas? C'est un petit peu la question.
Si je débuff, j'enlève l'érosion, mais j'enlève aussi des boosts. Or, je voudrais vraiment passer à tout prix le kill de l'Eka. Donc je pense que je vais y aller, je vais peut-être y aller sans débuff. Hein. Là, je pense qu'il est temps de lâcher la preuve sur Luginac. La preuve que j'ai souvent du mal à lâcher. Hein. Des fois, je me dis, ah, je veux la garder, puis finalement, je n'utilise pas du combat, alors qu'il y a des moments où ça aurait été opportun. C'est un truc qu'on a pu vérifier dans mes dernières vidéos. L'Eka flip là. Ah, je pourrais. Est-ce que je peux passer le kill? Non, pas sur la chance. Hein. Il a quand même des belles réductions de dégâts avec la chance d'Eka flip. Le Feka qui continue à embêter mon panda, mais bon, c'est un panda, donc à la limite, c'est pas non plus trop sensible aux entraves. On va voir quand même les dégâts que je mets sur l'Eka. Oui, les dégâts sont insignifiants. Je vais y aller. Allez, je vais quand même debuff Luigi. Hop. Voilà, c'est bien sur l'érosion que je debuff ici. On va mettre un coup de corrompu, le double sélectif peut-être. Ouais, je vais y aller comme ça, double sélectif. Marquant. Je rêve où j'ai mis le corrompu sur l'ivoire. Ah putain, je suis complètement débile. Non, je crois pas. Hein. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est parce que j'ai été un peu inquiété de voir les prévisus, ça m'avait mis une prévisu beaucoup plus faible que ça pour l'art corrompu, ça m'a perturbé. Mais le nerf héros. Ah, il y a la gangrène, hein. Je vais jouer Uji et Kaflip, hein, parce que c'est des classes qui peuvent éroder à 40%, hein, les Kaflip avec son corollaire et le Luginac avec la gangrène. Hein. Par contre, les Gap, ils vont être un petit peu, du coup, enfin, moi, ils m'intéressent, moi, j'aime vraiment les classes qui peuvent éroder à fond. Bon, le Gap gardera une capacité de burst énorme. Non, c'est à la place du roquet. Il m'embête énormément d'ailleurs parce que c'est un super sort, mais. Bon, là il va mettre un peu de soin sur son EK, mais voilà, vous voyez la puissance de l'érosion. Là il est à 736 points de vie max, donc contre Feka et Ni, hein, vous en foutez. Hein, les gens disent ouais, c'est invincible, beaucoup trop solide. Bah, faut éroder, les gars, vous érodez. Hein, Feka et Ni, ça bégait. Hein. Moi, quand je jouais Feka et Ni à une époque, quand j'avais des mecs qui jouaient à l'érosion en face, je faisais plus rien du tout. Hein. C'était d'ailleurs assez frustrant pour moi. Ah, Fulgus, gangrène, 4 PA, c'est cher. Ouais, mais ça, non, pas forcément. C'est pas si cher que ça, 4 PA, pour un sort qui peut mettre autant d'érosion. Ça vous mettez directement quelqu'un full héros. Hein. Là, j'y vais vraiment, je laisse aucune chance à l'Eka flip. 4 PA pour 40% héros. Je signe et j'achète. Hein. franchement, c'est top. Hein. Putain, je me fais ban du canal général parce que j'écris trop vite, c'est bien. Non, autant le corollaire de l'Eka flip que la gangrène de Luginac sont des sorts qui sont vraiment géniaux. Hein. Moi, je suis bien content que sur le J, je puisse encore éroder. Bon, même si là, je perdrais la capacité de taper en même temps, et surtout, je perds le roquet qui est génial pour tacler ou pour mettre un petit peu de ménage dans les invocations. Ça va manquer, bien sûr. Bon, l'Eka flip aura quand même rentabilisé ce dernier tour, il aura mis des beaux dégâts. Moi, de mon côté, je vais venir. Je vais pas me transformer avec le J. Hein. On va y aller tranquillement là-dessus. Voilà, je pense que le kill passe vraiment largement. Là, j'ai beaucoup de dégâts. Pourquoi tu le joues pas alors? Bah parce que là, j'ai le. Parce que là, j'ai encore la charogne. On va y aller en dégâts pour l'instant. Je vais pas taper parce que je veux pas me transformer. Hop. Là, les dégâts passent bien. Je vais venir prendre le soin ici. Parce que là, je peux éroder à 40% avec charogne. Oui, bah oui, mais c'est à la prochaine marge, ce sera plus le cas. Décidément, il sait pas ce qu'il dit, lui. Il y a un truc, puis il dit le contraire après. Bon. Bouclier FK sur le FK à nouveau. Bon, le panda s'en sort toujours à peu près. Bon, moi j'ai juste à jouer la sécurité là, a priori j'aurai pas de soucis. Hein. Je vais mettre des petits dégâts. J'ai pris combien avec son glyph là? J'ai 1-4. -4, ça veut dire que j'ai 11. Bon, allez, on va y aller tranquillement là-dessus. On va mettre un mot marquant. Un coup de corrompu et venir chercher le soin plus l'émeraude plus le tacle de tout ça d'un coup. Hop, mec, tu vas voir que si tu joues UJR avec gangrène, tes tours de rocks vont se faire calmer. Oui, c'est normal, ça avait besoin d'un nerf, hein. C'était les UJ, hein, les dégâts plus l'érosion plus le malus de soin, enfin c'est trop fort. C'est bien qu'ils aient un petit peu nerfé ça. Mais bon, par contre, ils ont nerf toutes les classes d'érosion quasiment, donc au final, le J va pas s'en retrouver tellement pénalisé. Je sais pas pourquoi les gens, je crois qu'ils s'attendent toujours à ce que vous défendiez vos classes corps et âme jusqu'aux dernières gouttes. Non, s'il y a des trucs qui sont abusés, qui doivent être nerf,
faut les nerfs, quoi, c'est tout. C'est pas parce que je joue que je suis forcément d'accord avec tout ce que fait Ankama dessus. Hein. Bon, là, je vais lui sortir mon Wasta. Allez, hop, c'est cadeau, c'est la maison qui offre. Débrouille-toi avec ça, mon coco. Le Wasta qui va jamais mourir du combat. Au final, ça rend les cas un peu plus compétitifs. Ouais, les cas, c'est le meilleur. Enfin, c'est le plus gros roxeur là. Hein. Si je commence à répondre à toutes ces questions, je vais jamais avoir le temps de jouer, donc je vais essayer de faire mes tours correctement. On va y aller ici sur un roquet. Je suis embêté parce que je peux trop éroder en fait. Je vais lâcher un apaisement et un temps quitte à me défoncer des PA pour que dalle, au moins je lui mettrai un coup d'héro. Si c'est pas dingue. Les cas, je le trouve monstrueux, hein. Enfin, de toute façon on a bien vu là dans mes dernières vidéos, les cas flip c'est n'importe quoi. Hein. Les cas c'est déjà ouf là, et ça va être up. Franchement, c'est... Enfin bon, c'est Ankama quoi. Ankama, petit conseil, un jour, jouez à votre jeu quand même avant de faire les équilibrages, parce que des fois, c'est c'est pas trop ça. Hein. Bon, franchement, le up et ni feu, moi je sais pas d'où ça sort. Hein. Enfin, je me suis placé comme une merde pour l'aveuglement là, excusez-moi. Parce que je raconte ma vie un petit peu. Bon là, en même temps, le combat, j'ai plus qu'à dérouler normalement, hein, je peux pas trop perdre bougie. Malgré 7 tours où il a essayé de m'éroder et de tout me mettre dessus, je suis encore beaucoup trop seul, il a jamais eu l'aura les dégâts pour me... Pour me tuer. La voix haut. Ouais, bah oui, moi j'étais pas trop fan de la voix haut sur les caflis. Enfin, j'avais test, hein, c'est vrai que c'est clair que c'était fort, mais. Moi, c'est la voix terre qui m'avait vraiment choqué par le Rox. J'ai pas de retrait là par contre. Alors, c'est l'ennemi qui m'a mis du râle. Je vais venir peut-être embêter le Fekir un petit peu. Hop. Le nerf. Ouais, Nini. Mais jamais il est nerf le Nini. C'est génial, on va pouvoir stimuler tous les alliés avec un sort qui est le mot galvanisant et on va pouvoir booster en puissance pour 1 ou 2 PA je crois. 250 de puissance pendant 2 tours. Enfin, c'est les Zenis, plus le, j'en parlais tout à l'heure, le mode solidarité qui va être up. Franchement, l'Eni ça va devenir le soutien par excellence que tout le monde va jouer tellement ça va être pété. Hein. Non, il n'y a pas du tout de problème de nerf Nini. Oh, il se soigne, oh là là. Bah, on va y aller à l'héros. Hein. On va y aller à l'héros. Lenny, une moule. Une mule plutôt, parce qu'une moule à boost, je veux bien, mais je sais pas trop ce que c'est, moi. Bon. Allez, on va. Genre, du coup, je vais y aller à l'héros, hein, je pense, sur Lenny. Ah, l'héros, héros et vulné. Ou alors juste héros à fond. Il est comme ça. Hop. On va faire la petite flasque, le petit éthylo, et là les dégâts, ils vont commencer à passer tranquillement, ici avec le panda, et là le J va enchaîner derrière, du coup il n'y a plus aucun bouclier ici, il faut que j'ai rerod, bon bah je vais devoir me transformer avec le J je pense, hein. J'ai pas le choix, ça m'embête, je voulais pas, ou alors non, j'y vais encore tranquillement, oh du coup c'est... Bon, de toute façon, c'est mon Ouji, c'est vrai que les dégâts qu'il a sont tellement énormes, là, vous voyez, bon, il y a les Vulni, mais on est quand même là sur un ivoire avec 38% de raise, hein. Et les dégâts sont vraiment astronomiques, hein. Je sais jamais c'est quoi qui m'impressionne le plus entre mon Ouji et mon Ekaflip, mais dans les deux cas, c'est quand même du rock, c'est assez solide. Hein. Voilà, le Wasta m'a un peu troll à se mettre ici, mais j'ai la ligne de vue pour aller chercher un coup de corrompu qui peut passer le kill sans souci en crit, même sans crit, hein, il faut juste que j'ai un G moyen et ça passe. On va voir comment le FK m'embête, il a l'air d'avoir beaucoup de PA, alors est-ce que c'est un bug d'affichage ou alors est-ce que c'est juste qu'il est... Ouais non, c'est... il les a. Il est juste stimulé plus abyssal, plus ocre, hein, donc abyssal plus ocre, ça lui fait 2 PA en plus. Ce qui le monte à 15 PA, mais là je vois pas trop comment il va pouvoir les exploiter, bon je pense qu'il peut même pas durer, il a bien raison. Est-ce qu'on passe le kill? Ouais. Bah, la prévision je la voyais à 1300 en minimum en crit. C'est bien de fus, c'est pas du tout bugué. Ah là là, hop, allez, on va lui mettre lui une flamiche pour déloc l'ivoire. Combo sélectif. Bien, GG. Est-ce qu'il y a des boucliers à debuff? Oui, il y en a un. Hop. La petite soulure. Les vulnés pour qu'on s'amuse. Hop. Allez, Ouji, je te fais gagner une case. Hop là. Bonne continuation, merci. S'il connaît pas ma chaîne,
pourrait être sympa d'avoir votre avis sur le combat et sur aussi nos discussions. Je pense qu'ils vont faire réagir pas mal de monde. C'est Gris Fox. Tape ça sur YouTube. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir aussi le retour de la team que j'affronte dans les commentaires. Moi, j'aime bien. En général, c'est des avis assez constructifs. Bon, sauf ceux qui sont un peu plus dans l'agressivité, ce qu'on voit beaucoup dans le PVP. Moins dans le PVM et dans la FM, mais dans le PVP, c'est vraiment là qu'il y a de l'agressivité dans tous les sens. Hop, puis là on va pouvoir terminer tranquillement. Voilà, c'était juste un petit colis que j'avais envie de vous faire. Là, j'étais sur pas mal de projets. Bon, j'ai eu des choses à gérer IRL, j'ai pu faire un peu moins de colis. Et puis j'ai eu pas mal de projets en FM aussi qui m'ont pris pas mal de temps. Donc j'avais laissé un peu le colis de côté. Mais c'est toujours pour le colis, hein, tout ce que je fais, que ce soit de la forge magique, soit autre chose. Bon, la bonbon, ça ne servait à rien ici. C'est toujours dans le but de faire du colis, mais c'est quand même. Il faut que je prenne le temps de me faire mon petit colis du jour quand même. Là du coup mes codes sont redevenus inactifs, hein, ça m'embête, le J, je crois, il doit être premier au ladder, mais il faut que sa cote redevienne active, il doit être à 4500 et quelques. Lenny il est à 5500 et quelques, le J, Lenny à 4500 et le panda toujours inactif. Bon voilà, c'était le petit colis du soir, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, vous pouvez me dire ce que vous pensez un petit peu de notre petit débat là dans les commentaires. Prenez soin de vous, à bientôt.